Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 26e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Diamant Étincelant. Et enfin, le défi ultime de la Ligue Pokémon va démarrer dans quelques instants. Et après avoir de mon côté tout du moins entraîné mon équipe, j'ai fait quelques modifications aussi. Mais voici notre équipe d'aventure qui va tenter ce défi avec du coup quelques petits items de soins évidemment. Mais c'est parti, on va évidemment commencer avec le conseil 4 que je connais assez bien évidemment, voire même trop bien. Et on va d'abord faire le premier petit match face à Aaron, qui est le seul membre du conseil 4 à être de type insecte. Let's go. Et il envoie Papinox, un membre du conseil 4 qui utilise Papinox quand même. Assez spécial, mais ça existe. Alors on va avoir notre petit Staraptor qui va balancer, je pense, d'entrée de jeu un gros rapace histoire de bien envoyer la charge. Et évidemment, on va one shot. Le second Pokémon sera Scarino. On peut rester du coup. Et évidemment, il a la double faiblesse à Rapace, donc il va largement se faire one shot. Donc jusque là, on est plutôt pas mal. Faire attention parce que Rapace nous prend du recul. Ensuite, ce sera Charmillon. Charmillon, on peut le passer aussi. Alors, à Pyrène. Alors, on pourrait être tenté d'aller sur Luxray en vrai. Attention. Et on va tout de suite balancer un énorme éclair fou. Il va one-shot la Pyrène sans souci. Et il va rester son Drascore, je pense. Qui est le seul à ne pas être de type insecte, hein, forcément, parce qu'il a, je pense, accès à P3. Hein. Alors, en vrai, on peut faire change de cœur, oui. Ah, les dégâts sont corrects. Il avait séisme quand même, son draft. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce Pokémon? En vrai, j'ai envie de mettre Staraptor. Parce que là, on a l'avantage du switch. Très clairement. Je ne sais pas si le rapace va tuer. Ah, si. Ça ne tue pas non plus. Très bien. On a gagné le premier match. C'était l'échauffement, n'est-ce pas? Donc le prochain, ça va être compliqué, je pense. J'avoue. Est-ce que on a encore des... Comment ça s'appelle? Ah, il peut apprendre une herbe, Gardevoir. J'avais mis Expo Force, mais c'est vrai qu'Expo Force, j'en aurais pas vraiment intérêt pour l'instant. Alors, du coup, on va mettre Pangoléon pour commencer. On peut mettre Garchomp aussi. Elle maîtrise le type sol. And. Son premier Pokémon sera Marès. Et
Ouais, ma rêve, ça va. C'est tranquille. Voilà, on balance un Noherb. Et on va pouvoir tranquillement le one-shot pour celui-ci. On va passer niveau 62 et on a Grolem sur le terrain. On va ébullition. Il nous a dépassé. Un petit burn. Non. Bon. Ah si. Yes. Nul arbre, oh, il a une fermeté aussi. Ah non, pas celui-là. Non, c'est curieux. J'ai joué tête de roc fracasse-tête. Ah, probablement. Big Micha. Pourquoi pas. Et pour Barbicha, bah écoute. On va balancer un Noherb, hein, sans souci. Oh, il avait une baie. Sûr, il avait une baie. Hein. Il avait un coup critique en plus. Il avait la baie Ratam, voilà. Mais quand même, il a tenté. Bon, le Pingoléon a fini par mourir. Mais il aura bien participé quand même. On peut le remercier pour sa bravoure. Le garde-voir qui va venir sur le terrain. Et on va le finir avec un autre Noherb. Cette fois sans la baie, donc il meurt évidemment. Et on aura Hippodocus. Combien ça prend sur Noherb ce truc? Alors je pense qu'il se fait tout shot. Hein. Ça reste assez, assez gros. Oh, il a pas de bouclier. Oh, c'est dommage, j'aurais voulu voir les dégâts. Attends. Ah, ça aurait fait mal, hein. Ça n'a pas une très bonne spédef. Et malheureusement, il n'est pas de type proche, donc sa cendre ne l'augmente pas sa... Ça ne lui augmente pas sa spédef. Hein. Ouais. On va gérer le combat, en vrai. Pour l'instant, ça va. Ça passe. Du coup, on va se soigner quand même un petit peu. Alors, on a un petit rappel avec ici. Alors, à nous deux, mon cher Adrien. Ça va être quoi, Galopa, je pense. Allez. La danse lame, du coup. Charge, c'est moyen. Il a pas grand chose à nous proposer. Il a pas d'attaque glace à se toquer. Oh, il a Hypnose. Je ne savais plus qu'il avait accès à Hypnose. Bon, ça change. Ah, il tente tout. Hein. Oh, le coup critique. Les 3 dégâts. Mais il prend la peau dure. Hein. Remarque. Et là, dans ça, m'a dépassé. Et il se fait dépasser. Il prend. Ah non, il est plus rapide. T'as combien en vitesse ça? Ah, ça sent en vitesse quand même. Oui, je crois que c'est ça. Oh, il y a peut-être 105 du coup. Enfin, je crois que c'est l'inverse, il a 100 en attaque, 105 en vitesse. Ouais, ça se joue pas avant. Locpin. On essaye qu'il me va très largement one-shot ce truc. Hein. Locpin sans la méga, c'est compliqué à justifier quand même. Ah, pas ce... Il a plein de glace, hein, cela dit, mais... Ah, il est rapide aussi, hein, c'est bloqué. Silix. Oh, mon pote, Silix. Bon, même à +2, ça doit faire un peu mal. Hein. Oh, il le joue même pas fermeté.
Il le veut sûrement trop peu, je pense. On est tenté de balancer une lame de rock, mais j'ai envie de mettre une énorme colère bien fat. Puisque le Pokémon suivant, je pense que c'est Simiabraze. Je colle le Simiabraze, on sait pas pourquoi. Ah, Simiabraze est plus rapide que moi. Je crois qu'il est... Oui, il a... Je crois qu'il a 104 de speed. Mais il est passé, il se fait... Oh, il a la ceinture force, ok. Et le close combat. Et la peau dure. Et voilà, au revoir. L'espoir hein, de la ceinture force. Et au final, n'aura pas servi à grand chose. Troisième combat remporté. Écoutez. Hop. Bon, pour le prochain, on va se mettre le petit Drapion, hein, du coup. Hein. Pokémon bien sympathique. Allez, Lucio, à nous deux. Premier Pokémon sera Monsieur Mime. Le plus redoutable, il t'annonce Monsieur Mime, tu te dis oh là là. Alors le problème c'est que ce truc va poser des écrans de merde et avec son talent filtre, il pourra mieux tanker, je suppose. Oh il a mis une protection, on se demande bien pourquoi. Bah on va taper une deuxième lance-flamme, hein. Écoute. Éclat magique qui fait... Ça fait pas très mal. Hein. Ah le coup critique, ah c'est dommage parce qu'il intervient à la... quand on veut essayer de jauger un peu les dégâts, mais bon. Une Charmina, je sais pas si son pied voltige peut tuer en vrai. Ah bah au moins on est plus rapide. Oh. Et ça tue aussi. Malheureusement. Moi du présent. Un kill, hein, bah écoute. Alors, qu'est-ce que ça va mettre? Girafari peut-être derrière? Ouais, le frère. Ouais, Girafari. Allez, bonne grosse mâchouille des familles. Oh, il y a des dégâts. Ah, mais il y a encore la protection. Distorsion. Ouais, tu me diras pourquoi pas. Bah, ça fonctionne par rapport à la vitesse de l'Ultra, hein, bien sûr. Bon. La Kazam. Bon, lui, c'est une vraie, véritable chips sur le physique. Ah, il s'était dépassé par le frais, quand même. Impressionnant. Ah, il y avait encore la protection. Eh ben, c'est le Archéodon qui va en faire les frais. Sans protection, ça va faire plus mal. Que sur un Archéodon. Il y avait encore la bifio. Ouais. Bah là il n'est plus là. Alors on peut tenter Pingoléon, ouais, ça peut être sympa. Il y a toujours le bon vieux séisme des familles, mais ça n'empêche pas. Tiens, on la burn. C'est bon. Ah, c'est pas mal. Ça tombe bien quand même, Archéodon. Hein. C'est quoi? Ça a quand même du bulk. Alors, on va la faire petit à petit. Il avait la bestie russe. Ouais.
Et il a remis sa dicto. Bon, avec les petits damage là qu'on lui fait, c'est pas mal. On va pas trop s'en plaindre. Et là, si on veut, on met Ethoraptor. On l'intimide gratuitement. S'il retente de faire séisme, il ne touchera pas. Là, il a préféré faire une guérison. Ah, il a anticipé. Plutôt bon play de sa part. Alors, je pense qu'en vrai, de mon côté, je peux également mettre le rappel sur le Drascore. Et lui, il tente représailles. Mais... Il a pas d'attaque psy, son truc. Un psycho, ça aurait été mieux. Représailles, c'est pas stabé. En vrai, on va mettre un énorme close combat. Là, ça lui met dans le range. Et pas grave si on sacrifie notre Staraptor, du coup. Puisque on a notre petit Drascore qui va donc du coup pouvoir revenir. Et cette fois, pour la win. Avec la petite machouille. On a vaincu l'Archéodon, on a vaincu Lucio, le soi-disant membre du plus redoutable, qui était plutôt coriace quand même, faut-il l'avouer. Mais là, le combat final nous attend face à Cynthia. La consécration, si je veux dire. Bon, là, il va falloir bien jouer hein. Face à elle. Il va pas falloir s'endormir. Il va falloir faire les bons plays. Mince. Alors là, très honnêtement, le seul qui me fait peur, c'est Karchakrok, hein, parce que Karchakrok me troue la team. Hein. Ma chance, c'est de l'intimider. Hein. Alors, je pense que le premier Pokémon, ça va être Spiritombe. Bon, en vrai, il menacerait avec des ballons. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Suggère une petite plénitude quand même. Oui, ça tombe bas l'ombre. On peut en mettre une, j'ai envie de dire. Oui. À plus de quand même. C'est tout bas, ça. Sauf que là, le Moonblast va partir. C'est toi, il a pas fait Kuba, alors faudrait savoir hein, si tu veux. Je pense que Goku n'a pas joué. Hein. Roserad. Est-ce qu'il me dépasse? C'est la grande question qu'on se pose. Non. Évidemment, à plus 2, ça n'attend pas. Jusqu'à la fin. Tritosaure. On a mis une herbe. Je crois qu'il tente plutôt bien les nœuds herbes lui, hein, parce qu'il est léger, hein, c'est une masse. Ah bah... Ça a resté pour moi, à plus de... Mais je crois que c'est vrai. Hein. Lucario. Il y a potentiellement le piste point. Hein. Qui apparemment a été oublié. Hein. Ouh là là, il est en train de se faire swing.
Terrible, Milobelus. Alors lui par contre il a du et surtout il va pouvoir se soigner. Oh, un point de vie et la burn qui va le burn aussi puisque j'ai synchro maintenant sur ce Pokémon et il va mourir de la brûlure terrible des illusions. Alors que pourtant il y a son talent hein, qui lui servirait. Mais là évidemment avec aussi peu de points de vie il empêche la possibilité de se soigner. C'est compliqué. Aïe aïe aïe, Karchakrok qui va venir du coup. Oh. 66. Il se fait dépasser. Et non. Oh le coup critique. Putain mais il a. Le coup critique intervient toujours quand il faut pas. On va mettre Staraptor, hein, clairement. Staraptor obligé. On va le chip damage un peu. La podium. Ouh, ça fait mal de ouf le rapace, franchement. Voilà, je... Si tu te bloques sur colère. Non, il a un pourri. Ah, il est. Heureusement qu'il est intimidé. Ça, c'est bon. On a gagné. On a gagné. Mais oui. Avec notre Staraptor qui va. Qui va achever le garçon. Bon, il va mourir du recul, mais ça change rien, on a gagné quand même. Ah, je suis content. Hein. J'avais envie de finir ça depuis un moment. Et voilà, avec notre équipe Gardevoir, du coup, sur frais, Garchomp, le Karchakrok, Staraptor, l'Étoraptor, Pingoléon, et Drapion, le Drascore. On a remporté brillamment cette victoire. Et voilà donc qui clôture notre belle aventure sur Pokémon version Diamant Étincelant. Alors effectivement, il y a un petit peu de contenu après game, mais je ne le ferai pas en let's play puisque je me restreins uniquement à l'histoire principale, à la quête principale. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire quand même un peu de tour de combat en vidéo, mais au-delà de ça, pour l'instant, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette belle aventure, en tout cas. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne, de nouvelles vidéos. À très bientôt, du coup, pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.